Go, go, go! Ah oui, tiens, d'ailleurs, il faut que je m'amuse à faire un contrôle qualité. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petit vendredi congé pour moi, et on va démarrer sur un Command Conquer Generals que je vais me faire en mode escarmouche. Intelligence artificielle en facile, on va démarrer tout doux. Pardon, je parle du nez, j'ai chopé froid comme un idiot cette semaine. Ouah, mais qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, que je vois mon signal. Nickel. Oui, je me vois ou pas? Ah si, 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 je me vois, j'ai eu peur. J'ai eu peur! Bref. Command and Conquer en mode je fais des bêtises. Quand je le dis, je fais des bêtises. Burp. Ouais, là normalement vous devriez bien voir. Comme ça. Il faudra que je regarde si mon schmilblick est bien ou mauvais. Ça a l'air correct. Alors, j'ai toujours pas basculé en mode de PC pour rock. Deux, attends, je fais plus deux comme ça, je fais deux comme ça. Ouais, rock. Deux PC, c'est pas pour le moment encore. Et je vous avouerai que j'ai pas fait les tests que je voulais faire. Je me suis détendu à mort dans Minecraft grâce à Torota que je salue. Ça m'a fait du bien de faire du Minecraft à intense en semaine. D'ailleurs, je vais sûrement vous en faire cet après-midi avant de faire un relais de chaîne avec Christella. Je pense que je vais me faire une après-midi spéciale Minecraft. Jusqu'à même dans la soirée. J'en éprouve l'envie et le besoin. En dehors de ça, peut-être que demain, j'essaierai à deux PC. Et je serai sur Dying Light, donc ce sera un stress test important pour l'ordi, puisque Dying Light est le jeu le plus puissant que je puisse faire, qui demande voilà, qui peut saccader, comme ça bouffe en puissance. Allez, Command & Conquer Generals, je me fais un entraînement ce matin. Je pense que je vais faire mes muses au moins jusqu'à 10h, et après je me ferai deux petites heures de théorie dans l'immeuble de l'ONU, là, Operation Body Count, comme je l'ai annoncé dans mon titre. Là, on va se faire 3 heures de Command Conquer en escarmouche. On va peut-être faire les 3 camps, un camp par heure. Chine, USA et le GLA, que sont les terroristes en vert en général. Je crois que j'ai tout réglé. Je suis en mode peinard, j'ai mis la vitesse la plus lente possible. Pepper. D'ailleurs, ça me permettra de vous répondre si vous venez dans le chat. Voilà. Je ne sais plus comment on joue. J'ai fait deux petites parties encore en pointillé cette semaine pour me rappeler comment on y joue. Je vais rien jouer du tout pour le moment parce que je connais pas mon théâtre d'opération. Oui, la Chine a de gros projets. Ils sont surtout très nombreux. Oh mon Dieu. La Chine va s'agrandir. Tu m'étonnes que la Chine va s'agrandir. Radar. Ah, bah oui, je veux bien un radar, oui. J'avais oublié les voix. Nous vivrons dans la prospérité. Bel emplacement. Oui, je suppose que l'emplacement. Oh! Ah oui, d'accord, il y a un. Il y a un petit patelin. Oh bah je vais en faire un deuxième, hein, toujours, parce que... La Chine va s'agrandir. Ouais, la Chine va s'agrandir vite et beaucoup, c'est scandaleux. Amélioration achevée.
construction, dans les normes. Construction, dans les normes. Oui. Ouais, je peux le mettre à peu près là où je souhaite. Excellente idée, général. Je construis pour la Chine. Ah, je peux pas me mettre aussi loin. Ça sera très beau. Merde, ouais. Là, non, j'ai envie de ce sera très moche parce que j'ai pas choisi l'axe de rotation du bâtiment. Le machin, il est dégueu. Ah oui, la carte est pas grande. Oh la vache. Je peux déjà commencer à... Hop là. Ouais. Faut que je définisse les points de sortie, moi. Je demande à mes militaires d'attendre... Ouais, pourquoi pas. D'attendre là. Ouais, non, c'est pas mal. J'ai surtout envie de dire... Oh, intérêt stratégique majeur. Sauf que j'ai... Excellente idée, ouais. La vache, j'ai beau être en mode lent, je trouve qu'ils conduisent vachement vite. Vous allez voir, je... Merde, ils sont déjà là, j'ai pas un gugus. Au secours! Beaucoup t'as manqué. Excusez-moi du peu. Non, ils sont déjà là. Non! J'ai fait de la merde. Oui, bah là, on vit pas dans rien du tout, là. Ça va pas. C'est un bon choix. Tu m'étonnes. Le bâtiment est construit. Le bâtiment est pété. Je suis au garde à vous. J'attends vos ordres. Mais ils se foutent de ma gueule. Mais arrêtez-vous de foutre de ma gueule! Bah allez dans celui-là, merde, parce que celui-là il va péter. Non! Je sais plus jouer! Au secours! Je donne des ordres contradictoires! Merde, j'ai même pas le temps d'appuyer sur vente. C'est scandaleux! Oh la vache, ce faux départ! Ça sera très bon une fois fini. Ah, oh là là, puis lui il a pas fini de faire l'aérodrome. Oh putain! M'en fous, tu me fais plein de soldats! Oui, bah c'est ça. Oh non, merde. Pour la République, défenseur de la paix. L'armée du peuple est là. Nous luttons ensemble. Pour la République. Le bâtiment est construit. Oui. Occupez le bâtiment. Je suis au garde à vous. Ils attaquent notre base. Construction dans les normes. Nous luttons ensemble. Ouais, ça va, la diffusion est correcte. Je regarde leur tour sur ma tablette. Ça va. Bâtissons. Nous bâtissons.
Nous bâtissons, mais on a peu de pognon. Je vais... Oh, j'allais dire, je vais ruser. Tu m'étonnes que je vais ruser. Hop là. Ouais. Bien planqué. Pas trop loin de la base. Stratégiquement bien placé. Alors, MiG au fuselage renforcé. Oh. Nous luttons ensemble. Si, ils font le taf, les... Oh la vache, comment qu'ils sont rapides, les Mickey. Nous bâtissons. Yeah. Va falloir que je me fasse des défenses anti-aériennes parce que avec les pros, je me serais déjà fait allumer là. Oh merde! J'avais pas vu que j'avais tout ça. Vous êtes toujours plus nombreux. Ah merde, faut que j'en sois chez 5, c'est ça? Oui, construction dans les normes. Nous luttons ensemble. Ah non, ils sont déjà dedans. Ah! Oh! Oh la vache! Allez là-bas, les gars. Nous avons de grands projets. Ouais, tu m'étonnes qu'on a des gros projets. Excellente idée, général. Oh merde! Nous combattrons d'ici. On a déjà les attaques des... Oh là là! Toi, répare vite! Je sais ce qu'il lui faut. Tu m'étonnes. Attends, je vais me faire un avion de chasse. Je vais me faire un avion de chasse et puis je vais lui demander à me protéger ma zone d'un point de vue aérien. Oh, il les construisent rapidement les avions de chasse. Chasseur tactique au rapport. Yep. Je suis sanglé et paré. Bah j'espère bien mon gars. Protection aérienne, reporter en approche. Ouais. Au-dessus du pont, au-dessus de la rivière. Ah oui, ils arrivent par là. Salaud! Faut que je fasse une défense anti-aérienne. Mon deuxième bulldozer, il est où? J'aurais dû déjà attribuer des numéros, des chiffres aux unités. C'est scandaleux. Ouais, c'est la guerre thermonucléaire. C'est d'autant plus vrai qu'on peut balancer des scuds normalement. Je sais plus avec quel camp. J'aurais pas les Américains. Non, bah ça doit être les horribles, ça doit être les terroristes qui doivent balancer des scuds, non. C'est un... Comment il s'appelait celui qui a fini pendu là? Qui a posé sa tente énorme dans les jardins de l'Elysée. Ah, je vois sa tronche. Sa tronche de bédouin imbibé, là, ça parle mal. Kadhafi. Ils attaquent notre base. Quoi, j'ai eu l'avion de chasse ou... Ah non, ouais, si, je lui ai fait comprendre que c'était défendu maintenant. Je construis pour la... Oh la vache, comment qu'il me défonce mes trucs. Alors attends, j'ai plusieurs sans rien du tout. Allez, je m'en fais un joli lot.
Parce que là j'ai du monde, là j'ai personne dans le central et celui-là je crois qu'il n'y a personne non plus. Et bah c'est parfait. J'aurai le bon nombre. Allez, je me fais un deuxième... Ils sont pas trop de deux. Je me fais un deuxième avion de chasse. Est-ce que j'ose faire un survol aérien du village? Et le village est magnifique. Oh, je me souviens pas, les textures étaient aussi belles. C'est presque plus beau qu'un eau. Non, c'est tout aussi beau qu'un eau. Oh, c'est beau. Qu'est-ce qui m'a... Oh! Ah! Ça va lui coûter cher. Il a plus d'avion de chasse. Oh! Sur le pont qui explose. Oh! Oh, la déforestation! Ah, je me souvenais pas, les arbres qui ont tout bouffé. Ils ont tout. Tout dans leur tronche. A plus de feuillage, y'a plus rien. Violence. Violence écologique. C'est de l'éco-terrorisme. C'est horrible. C'est terrible. Oh la vache, je vais avoir trop de... Pardon, je vais avoir trop de soldats chinois là. Voilà, je vais en mettre en patrouille dans la forêt, là où il y a les Derrick. Tiens, d'ailleurs, faut qu'ils apprennent à capturer les bâtiments. Non, comment on fait? Ah oui, c'est là. 1000 balles. Oh, bah vas-y. Apprenez à capturer, et puis... C'est bon, c'est fini. Oui, c'est fini. Non, pas le bulldozer de la Chine. Merdoum. Tiens, d'ailleurs, toi, tu vas me faire une autre protection aérienne là-bas. D'ailleurs, on va en faire deux. Si je peux. Non, apparemment, je peux pas. Le bulldozer, tu retournes là-bas, mon grand. Deuxième avion de chasse. J'ai un deuxième avion de chasse. Il va être en... Ouais, protection aérienne de l'ensemble. Amélioration achevée. Ouais, je préfère qu'ils défendent la base d'une manière générale. Je construis pour la Chine. Bel emplacement. Attends, l'énergie, j'arrive à gérer ou c'est la mort ? Ouais, ça va. Je suis au garde à vous. Protéger. Général, notre base est attaquée. Ce serait peut-être pas une mauvaise chose que les Chinois aillent prendre l'église. Ah merde, j'ai un bunker qui a morflé. Ah bah, nickel. Retourne voir. Nous vivrons dans la prospérité. Oh! La plus haute altitude pour une DCA. Vous du Diou? C'est comment un agent spécial? Ah, un centre de propagande. Bon, ça va, le temps d'écumer les... Voilà, ouais. Finalement... La Chine a été généreuse. Alors, ce qui me fait peur, c'est que le bulldozer, il est pas forcément au bon endroit. Bien sûr. Parce que là, il va se manger les tirs ennemis. J'ai l'impression que l'ennemi américain, là, du coup, il s'est calmé. Attends voir. Le bâtiment est construit.
Ouais. On va percer ces chars. Quoi, des chars? Quel char? Oh les crash toi. Oh, à côté du pont. Énorme. Nous vivrons dans la prospérité. Ah oui. Nous luttons ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Eh. Eh. Tous ensemble, tous ensemble. Eh. Oui. Non, toi tu vas aller là-bas. Je tiens en route. Je construis pour la Chine. Oh, attention, l'énergie, c'est chaud. Histoire de bien défendre mon espace aérien. Et lui il va. Non. Lui, oui, le MiG, j'en doute pas, mais. Que c'est un tout petit Miggy Wiggy Miggy Mini Mini Wiggy Mini Mig qui tire des petits missiles. C'est un mini 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 mig mini 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 mig. Il sauce l'ennemi de ses missiles. Ouais, chanson. Ouais, ils sont pas fragiles, mes MiG. Mais non, ils sont pas fragiles du tout. Pas besoin de renforcer le fuselage. Construction terminée. Notre base est attaquée. Comment ça? Où ça? Comment qui? Que quoi? Qu'est-ce? Ah, alors que les Américains. Hein. Avec les avions de chasse. Oh la vache. Comment qu'il a giclé l'avion. Ah, ils arrivent à entamer mon... Bien sûr. Ils arrivent à entamer mon... Mes défenses. Alors, toi. Yep. Et je crois qu'il y en a un troisième à l'opposé, mais je l'ai pas repéré. Il est dans le village. Non, non. Ah non, il est isolé dans une... Ah. Il y a une... Oh! Il y a des... Non, non, j'allais dire, c'est pas du matos sur les quais, c'est des stands. Pa-pa-pa-la-pa-pa-la-pa. Nous bâtissons pour la Chine. Nous avons pris le bâtiment. Alors les véhicules chinois, je les construis où? Waouh, ça va faire bordélique si je fais ça. Excellente ouais. Idée, général. Alors il y a un mec qui va, oui. Qui va faire une course d'un kilomètre. Ça va être trop bien. Tout de suite. Le gars, il va presque faire un angle à l'autre de la carte. Oh. Ouh, attention, le village a failli déguster un avion de chasse. J'aime bien avec la musique, je sais pas si vous entendez bien le retour de musique, c'est excellent. La musique de Chine, ding 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 ding. Non, la musique est belle. Nous avons de grands projets. Créer d'importantes technologies chinoises, le centre des propagandes. Alors c'est un bâtiment précieux, on va le protéger à l'arrière. Il n'y a pas assez de place pour ça. Attends, il y a surtout que j'aurais aimé... J'ai pas le droit de faire la rotation, c'est dégueulasse.
Allez, je vais le mettre comme ça aussi. Bah, une fois que le camion aura fini, je pense que je vais vendre le... Ou alors c'est l'autre que je vais vendre. Quand la plateforme là sera vide. Ce sera peut-être pas mal. Puis à la place, je mettrai d'autres centrales avec un max de défense anti-aérienne qui me nique pas mon électricité. Allez, c'est reparti. Oh la vache. Et je bam. Ah, ah. Oh, le crash de l'aéronef. C'est le bordel. 50 millions de Chinois. Et moi. Alors, là, il y a l'embarras du choix. Ah, transporteur peut être pas mal. Ah, coûte cher, mais ça peut être pas mal. Je vais m'en faire un déjà. Oh la vache, je me souvenais pas qu'ils avaient autant de trucs. Ah, t'augmentes la puissance de la Gatling. Ah, message sublimite. No. Ah, ouais. Emmenons ces hommes au combat. Je construis pour la Chine. Tu peux. Ouais, allez, je vais la mettre là, la centrale. Hein? Pourquoi j'ai un Chinook? Ah non, c'est l'ennemi qui me vole. C'est scandaleux. Eh ben, je vais jouer le jeu des Américains. Nah, je vais répondre de manière aérienne. Ça va leur faire bizarre. Oh la vache, ils viennent shipper dans mes stocks, les salauds. Je me fais violer mon territoire, c'est scandaleux. Pardon, ça parle mal, mais ça parle vrai. Ah mon Dieu! Oh merde! Je crois que le bulldozer l'est là dans le baba. Je ne peux rien construire ici. Pa-pa-pa-la-pa-pa-la-pa, pilipo. Oh oui, oh, trop stylé le... Oh, puis je savais pas qu'il y avait des gardes rouges dedans. Ouah, trop bien. Voilà, c'est ça, fait contribue à déraciner le... Ah, j'avais pas vu la sortie par là. Oui, d'accord, on va bousiller des trucs, laisse tomber. Il n'y aura plus d'arbres après. Je vais laisser le véhicule là. Tout le monde est bien installé. Dissuasion. Le nationalisme nous donnera la victoire. C'est horrible. C'est horrible. Ah oui, non, mais le truc il va... Ah oui, ils vont tout faire péter. Oh non, je peux largement m'avancer. Ouais, je vais m'avancer là. Terrain vague, allez hop. L'ennemi attaque la Chine. Quoi? Ah. Alors. Nous défendons le ciel. Ouais. Les avions de chasse. Ils viennent
violent notre espace. Ah oui, exactement. C'est exactement ça. Ils violent notre espace. On va rire. L'autre, il va pas comprendre. Ah merde, costaud, il a résisté le salopard. Patrouille aérienne en position. Je ne sais plus quoi faire. C'est vrai qu'il y a tellement de trucs à faire. L'empereur, efficace contre les véhicules et les bâtiments. Le Napa canon. Char dragon, met le feu à un bâtiment pour en faire sortir les soldats et génère ainsi un mur de flammes. Waouh. J'ai tellement de choix de chars d'assaut, je m'en souvenais pas qu'il y en avait autant. Et je joue sans l'extension. Je sais pas quoi faire tellement que j'ai de choix. Je suis perdu. Par contre, les empereurs, 2000. Oh, le luxe. Coûte super cher, les empereurs. D'où son nom. Efficace contre les véhicules et bâtiments. Ouais, si je... Allez, je m'en fais deux. Si je me fais attaquer... Mais non, mais je me fais dépouiller. Attaquez-le. Ouh, il a eu chaud, lui. Ah non, ça va, ils sont costauds, hein, les salopards. Ils sont costauds. Je suis au garde à vous. Je suis au garde à vous. Est-ce que j'ai un véhicule qui fait sol air qui détruit les avions? Efficace contre les vents ARS et infanterie. Infanterie bâtiment contre char bâtiment. Infanterie bâtiment. Ah, la Gatling contre l'aviation. Ah, bah je vais m'en faire 3 et je vais optimiser leur puissance de feu. Voilà, ça c'est un programme militaire cohérent. Oh ouais, j'ai niqué leur Chinook. Ils vont faire moins leur malin. Yalosh. Ah, attends, il n'y a plus rien. Et oui, il n'y a plus rien sur la plateforme. Oui, attends, alors ça on peut vendre. Mais on est d'accord, je garde les camions. J'espère. C'est là où ils vont me dissoudre les camions. Et ils vont me les démanteler. Les mettre en pièces. Non, ça va. Mais... Ah, merci. Oh, la gueule du char d'assaut. C'est encore plus fort que... C'est encore plus fort que le Devastator dans Dune. Dune 2. Pour ceux qui connaissent. La Chine a été généreuse. Oh, la Chine, elle est fin folle. Elle c'est fait plein de trucs à la chaîne. Oh, ça va. Je suis une petite bombe énergétique. Et le mec, il me place une bombe atomique là. Il n'y a plus de région. Il y a un gouffre de moins un kilomètre de creux de profondeur. Les boules. Ah. Tu es la meilleure. La 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 la. Eh ben, c'est ça que je vais faire. Je vais déposer les mecs dans la baraque à côté.
Hop là. Ils vont investir la, le bâtiment et puis... Alors, les chars. Dissuasion. Je suis fort, très fort. Tu m'étonnes que t'es très fort. C'est un double char. Oh le machin! Mais regardez-moi ce truc! Je peux zoomer à mort dessus. Ouah! C'est Terminator. Ah! J'ai le contrôle. Oui, 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 t'as le contrôle. Oui, c'est... Tu m'étonnes. Laissez bien les cylindres. Charge Gatling, prête à l'action. Alors, les Gatling, vous défendez ma zone. Oui. Bien sûr. Ouais, vous allez là. Tiens, d'ailleurs, les Gatling, je vais vous donner un code. 2. Le code 2. Oh lo 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 lo. Il est temps. Que vous faut-il? Il me faut la guerre. Empereur en route. Po. Ah ouais, je peux personnaliser le... D'accord. Ajoute une casole pour être occupée par des soldats. Une Gatling. Le plus cher, forcément. Une tour de propagande. Ah, pour la défense, je vais mettre des tours de propagande. Oh, peut-être pas tous. Celui-là, je vais lui mettre peut-être une Gatling. Ah, oh, c'est énorme! Ah, je me souvenais pas! Oh, la vache! Mais l'extension, elle rajoutait quoi? Je me souviens qu'elle rajoutait des parties effrénées en solo, qui était génial. Mais je sais plus s'il y avait des unités bonus. Oh la vache! Puis il y a des bonus nucléaires, je sais pas quoi là. Que vous faut-il? Du coup, ils se réparent entre eux! Ah! C'est complètement craqué! Oh! L'avion chasse qui déguste! Toi, petit soldat, va là. Oui. Arrêtez-vous là-dedans. Attends. Prochain arrêt, le front. Prochain arrêt, le front. Oh la vache. Oh oui, déployez tout le monde. Allez hop, évacuez. Ouais. Ça ne pose pas de problème. Hop là. Hop, vous allez là. Allez hop. Tous les soldats, vous vous installez dans le... Hop là. Comme ça, vous allez défendre mon Derrick. Très bien. Allez, je rajoute 2 mecs lance-roquettes. La défense parfaite. Allez, lance-roquette. Ah oui, il y a les pirates. Ah oui! Mais c'est vrai! Oh là là, ils génèrent du pognon! Et le lotus noir. Ah. Ah, lotus noir, je vais adorer. Mais d'abord, des soldats chinois. J'ai le plus gros calibre. Ah oui. Ah oui, mon cochon. M'en parle pas que t'as ton plus gros calibre. Ah oui, c'est lui qui a la plus grosse. Le pire, c'est qu'il sait s'en servir. Ça parle mal. Attends, c'est... Ah, la vache. Oh. Ouch, il a blessé mon soldat. Attaque TNT. Wouah. Eh, c'est vachement intéressant de jouer la Chine. Je me souviens pas qu'ils avaient autant d'options. Ouais. Tout de suite. Oui. Je suis en route.
D'ailleurs, je vais changer la... Nous luttons ensemble. Ouais. Nous sommes les gardes rouges. Bien, général. Nous sommes les gardes rouges, rouges, rouges. Didadidoudidoudida. Empereur en attente. Extra large. Pff, oui, extra large. Ah oui, 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 ils emmènent large. Je valide. Je valide totalement. Allez, allez dans le véhicule de transport de troupes. J'attends vos ordres. Tout de suite. Ici, char empereur. Nous luttons ensemble. Transporteur à l'écoute. Nous luttons ensemble. Ah, je peux pas lui dire de patrouiller. Tiens, tiens. Ah, c'est dommage. J'ai presque envie de dire que c'est une option qui manque à l'unité. Le fait d'ordonner de patrouiller une zone. Ah, c'est ballot. Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa. Oh lo 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 lo. L'ennemi attaque la Chine. Félicitations, général. Vous avez été promu. Ah, c'est bon, ça. Oh merde, j'ai fait tellement de... Bah écoute, j'en fais un deuxième de transporteur, puis basta. Papapalapapipo. Alors, est-ce que... Ah, une défense anti-aérienne, je pourrais en mettre plusieurs encore quand même. Faut pas déconner dès qu'on est né. Ouais. Je vais en mettre une là. Susan Vega, Tom Zahner. J'aime bien cette chanson. Ouais, je me la réécoute. Message subliminaux maintenant disponible. Oh la vache. La 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 le monstre toi. Oh la Gatling, ça coûte cher, mais c'est d'une violence le truc. Général, notre base est attaquée. Unité perdue. Quoi? Amandiena. Ah, j'ai perdu mon bulldo. J'ai perdu mon bulldozer. Trop du cux. Vas-y. J'ai personne en zéro. Je vais dire bulldozer zéro. Je faisais comme ça quand je jouais, je me souviens. Oh là là, je rajeunis une fois de plus. Ça fait du bien. J'ai bon bonheur. J'ai bon bon. Palin palin. On voit que je suis mou comme mec. J'attends d'avoir toutes les options dans mon territoire avant d'attaquer l'ennemi. Ce qui n'est pas forcément une bonne stratégie. Je me demande ce que ça va donner mes duels avec Nayonet. Enfin, contre Nayonet, ça va être... La musique, elle est extra, ouais. Elle est bien, la Zikmu. Bon, je vois que je vais éteindre ma tablette, enfin la mettre en veille, parce que je vois que le signal est bon. Le signal est bam bam bam. Di da di da do do do. Oui, nous bâtissons pour la Chine. Pff.
Ouais, allez, je suis encore deux réacteurs nucléaires et puis. Ouais, ça va. J'aurais 80 de potentiel en énergie et je veux même pas en consommer un tiers. Ça va, tranquille, respect. Ils attaquent notre base. Allez, je renforce le fuselage des avions de chasse. Oh là 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 là. Alors les petits chinois et moi et moi et moi. Oh là là. Le bâtiment est construit. Je m'empare du village ou pas? Oh, je suis embêté. Non, elle est là, elle est là. Ah oui, c'est parfait. Défendez les Derrick. Celui-là, je l'ai pas pris. Lui, il manque un fanion, là. Il manque le fanion de la République populaire de Chine de Xi Jinping. Excellente idée, général. Ah, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Oh, yop, cousin. J'espère que tu vas bien. Alors que tu vois, je suis en train de me détendre dans Command & Conquer Generals. Ça doit te rappeler des souvenirs aussi. Attends, qu'est-ce que... Ah bah non, oui. Je vais dire, c'est quoi le bip bip bip? C'est lui qui capture le Derrick. Ah ouais. Oui, bah va dans le... Va dans le bunker, petit chinois. Missile nucléaire. Oh. Notre base est attaquée. Haut-parleur d'embrigonnement, ouais, je veux bien. Ça sera très bon une fois. Oh la vache, les avions de chasse qui dégustent. Papaya, papaya, pipi, pipi, pou. Attends, j'allais dire, il va être 8 heures. Ne me dis pas que t'es déjà dans ton échoppe. Tu vas seulement prendre la route, je pense. Eh bien. Enfin, en tout cas, bonne journée à toi, hein, cousin. Courage. Non, c'est un rocher. Oh là 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 là. C'est un bon choix. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il bouge? Si, char empereur. Mais j'ai le contrôle. Il est fou, je lui ai pas demandé de bouger au char empereur. Enfin remarque, il peut aller là pour défendre, mais. J'espère que ça vaut le coup. Mais oui que ça vaut le coup. Ah ça pour écraser. Le contrôle. L'ennemi attaque la Chine. La 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 la. Bon, une fois que j'aurai récupéré les caisses, je vais avoir deux avions de chasse de protection aérienne. Qu'est-ce que je fais? Je les mets au-dessus du village, symboliquement parlant. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée, parce que comme il y a deux ponts. Ouais, chantier terminé. Alors, le centre de tir nucléaire.
Il est tellement précieux que je l'aurais mis à l'arrière, mais... Ouais, allez, je vais le mettre là, le machin. Puis quand il n'y aura plus de... Ouais. Il reste combien? Ouais, moins de 5 000 $. Quand j'aurai écumé ça, je ferai sauter le... Oh, encore que non, pas forcément. Je garderai les camions rangés, on sait jamais, pour peu que j'arrive à dépouiller la zone adverse. Oh, mais avec leurs chinois, ils ont tout écumé, c'est pas possible. Alors... On va peut-être passer à l'offensive. Je veux un lotus noir. Je veux le meilleur agent de la Chine. Que vous faut-il? Ce qu'il me faut, c'est la victoire. Quoi? Qui? Que quoi? Ah, ils ont envoyé encore un avion de chasse qui s'est viandé dans le décor. Ils viandent tellement vite que je sais même plus où est-ce qu'ils se crachent les avions américains. Oh les boules. Les bobos, les... Ah, mon agent spécial, d'ailleurs, code 5. C'est jamais si... Oh! Vole l'argent dans le dépôt de ravitaillement visé. Pirate un véhicule. S'empare d'un bâtiment. Oh oui! Tu vas aller en mission de reconnaissance. Personne ne te verra. Normalement. Vous allez voir que je vais perdre en 2 minutes chrono mon agent spécial. On va l'appeler l'agent crêpe chinoise. Elle s'est fait rouler dessus. Oh non. Vite! Oui, la voie est libre. Tant qu'il n'y a pas de véhicule... Oh, c'est des Américains. Oh! Je vois des choses. Est-ce que je peux longer la rivière? D'accord. Avec un peu de chance, ils ne me verront pas. Construction terminée. Wow, j'ai le nucléaire canon qui est prêt. Violence nucléaire. Eh bah tiens, elle va donner des informations pour... Oh! Obus d'uranium appauvri, plus 25% de dégâts sur les maîtres de guerre et empereurs. Empereurs et maîtres de guerre sont plus rapides. Ah, propulsion nucléaire. Non. Général, notre base est attaquée. Ah, un avion de chasse qui... Oh là là, ils ont même plus le temps de... De braquer, ils sont explosés. Attends voir, mon deuxième bulldozer là. Ouais, je vais faire une tour de propagande par là-bas aussi. Ce sera très bon une fois fini. Bon, ça y est, on a... Ah non, j'ai pas fini d'écumer. Hein. La 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 la, oh la jolie rivière, oh c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vous écoute. Non, sérieux? Mais vous êtes sérieux les Américains? Vous avez pas pris ce... Le bâtiment est construit. Attends, il y a 2 clampins à trucider et je... Non, attends, je vais mener un assaut, mais les doigts dans le nez. Nous avons de grands projets. Ah, attends, j'entends un bruit bizarre. Ouais. Je retire mes oreillettes parce que j'ai entendu un bruit bizarre. J'espère que c'est quelqu'un qui a claqué sa portière pour autre chose. Je vais essayer le véhicule là.
Vas-y voir. Ils attaquent notre base. Et un avion de chasse en moins. Attachez vos ceintures. On va ailleurs. Ils ont besoin de compagnie. Ah ouais! Le missile Patriot peut tirer sur le... Et moi je peux pas tirer dessus. Ah merde. Ah ouais! Le truc il est là, ok. Comment dire? Le bâtiment va y rester. Faudrait que j'attaque le nucléaire canon là, et puis... Alors attends, il se passe plusieurs trucs. Les avions de chasse. L'espace aérien, je pense qu'on peut prendre le contrôle de ce pont-là et d'une partie du village. Patrouille aérienne en cours. Je pense que c'est une bonne chose. Kathleen, prête à l'emploi. Oui, besoin d'un barrage de balles. Allons là-bas. Ici, char empereur. Transport blindé de Chine. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec le véhicule, mais c'est n'importe quoi. Bref. Ah, il me reste pas grand monde. Merde, j'ai eu des pertes. J'ai pas suivi que... Besoin d'un transfert ? Vas-y. D'accord. Voir qu'elle se mette là. Mais comment elle fait pour... Ah, le dépôt de ravitaillement ennemi, ouais, pas le... Merde, mon... Ah, merde. L'armée du peuple est là. Logique. Là, je reconnais que je suis sur le territoire ennemi. Merde, j'ai perdu un véhicule. Rentrez, les gars. Rentrez dans l'église, tiens. Il y a encore de la place pour vous. Je vais faire une frappe bien maîtrisée au... C'est quoi ça? Ah, c'est leur aérodrome. Ah, qu'est-ce que je fais? Je pète leur aérodrome ou je... Ah. Prendre un bâtiment. Oh, j'ai le culot de prendre... Eh, j'aurais le culot de prendre le... Eh, ça peut être drôle. Attends, elle peut venir là? Si elle peut venir là sans se faire détecter et prendre possession de l'aérodrome américain, je me fends la poire. Si l'IA en facile est si débile que ça. C'est la guerre, ouais. Oh, il va cracher les... Il n'y a plus d'arbres. Non, ça va. Ils sont costauds, les arbres, ici. Ah ouais. Ouais, mais si je fais l'action de prendre un bâtiment, je vais me faire repérer. Mais c'est bizarre. L'IA est si débile que ça. Liaison établie. Là, elle va se faire repérer. Non. Oh. Eh, ce serait énorme. Sans violence, je m'empare de tout. Leur bâtiment est à nous. Ah. Elle est bonne. Trop drôle.
besoin d'un transfert? On va prendre leur bâtiment. Allons-y. Je prends le contrôle du bâtiment américain, moi. Non, mais ne me dis pas que l'IA est si débile que ça. J'en reviens pas. Non, je vais pouvoir jouer les deux camps. Attends, mais depuis quand c'est aussi facile? Leur bâtiment est à nous. Général, notre base est attaquée. Hop là, moi je me barre. La voie est libre. Et hop, tranquille. Je suis paré. Opération en cours. Je vais m'en faire 3-4 tant que je peux prendre les bâtiments américains, vas-y. Je vais pas me gêner. À vos ordres. Allez au boulot, je balaye la zone. On lance la zone. Je vous écoute. Non, ne me dis pas que je vais gagner avec de manière aussi ridicule. Je vais même pas faire usage de mon arme atomique. Allez, au boulot. Félicitations, général. Bah, tu m'étonnes que je prends du galon. Tant que je peux faire des bulldozers américains avec les plans, moi je les réquisitionne. Non, j'aurais jamais cru faire comme ça. Mais c'est n'importe quoi. Là, je vais me faire les véhicules américains maintenant. Unité perdue. Notre base est attaquée. Allez au boulot. Il est à moi. Hélico au rapport. Allez, on va conserver la base. Je vais leur dire de réparer. Oh les cons. C'est trop drôle. Non, mais les clampins, toi. Bon bah écoute, ça marche tellement bien, on va capturer les casernes aussi. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, capture les casernes. C'est trop drôle. À vos ordres. Je suis paré. Allez au boulot. Ici comment? En rase-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bonne idée. Général, notre base est attaquée. Leur bâtiment est à nous. Ah si, il y a des pertes quand même. Qu'est-ce qu'il faut? Je passe ma route. Unité perdue. Bien sûr. Alors... mon agent spécial va capturer. Ah, je m'attendais pas du tout à l'avoir avec une telle aisance aussi déconcertante. Ah, puis leur truc est là-bas. D'accord, avec les chinooks. Non. Même pas le plaisir de me faire une petite frappe nucléaire. Ah, oh, c'est débile. Leur bâtiment est à nous. Est-ce que c'est liaison établie? Non, mais c'est n'importe quoi. Oh là 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 là.
pouvez voler plus d'argent que l'ennemi en possède. Mais c'est complètement craqué. J'adore. J'adore, j'adore. Barrage d'artillerie. Non, mais c'est vachement vicieux parce que... Tu fais un lotus noir qui vole dans le dépôt de ravitaillement ennemi et qui, avec un bonus de 4 000 $. C'est complètement craqué pour le financement de l'armée. Ah oui, du coup, elle a plus de... Eh ben voilà! La seule défense américaine! Je vais la faire péter aux missiles nucléaires. Allez, vas-y, qu'on rigole. Ouais. C'est quoi le rayon d'action de l'arme nucléaire? Efficace contre les bâtiments, tu m'étonnes. Bon. Missile nucléaire lancé. Allez, on va se faire une petite explosion. Pour le plaisir. Oh, joli. Oh là là. Oh, cette frappe tactique. Oh, c'est horrible. Oh, le champignon atomique, il est trop bien dessiné. Oh là là, quelle horreur. Oh, comment qu'il meurt, les gars. Les trois mecs de la... Amélioration achevée. Les trois gars qui étaient dans la DCA, ils sont morts comme des cacas. La violence. La violence. J'ai même pas c'est quoi cette onde portée. Là, il y a un truc, c'est trop bizarre. Enfin, bref. Le résultat est là, j'ai gagné. Je vous écoute. Allez, Lotus Noir, tu captures tout. Allez, vas-y. Les Derrick, le truc à Chinook des Américains, et puis... Eh ben, dis donc. Toujours prêt. La 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 la. Alors que je... À mémoriser, que je me sente à mon aise, si je joue contre Nayonei, il faut que j'incarne la Chine. La Chine, j'adore leurs options. C'est un truc de fou furieux. Je m'en sortirai. Ni hao. Attends. Il y a un troisième Derrick que j'ai pas vu. Ou alors il a été pété. Il y a un troisième Derrick normalement pour eux. Oh, il est loin. Waouh. Je l'avais même pas vu celui-là. Oh là 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 là. Non mais c'est complètement craqué, j'ai 32 000 $, c'est n'importe quoi. Allez, qu'on en finisse, j'ai gagné, et puis on passe à un autre scénario de guerre, parce que c'est d'un ridicule. J'ai réquisitionné combien de de bulldozers américains? J'en ai 6 au moins. C'est... c'est énorme. Je pourrais même faire leur canon en particules. Oh là là, avec le pont aérien, abusé. Oh. Non mais c'est le jackpot de s'emparer du QG ennemi, c'est énorme. Ah, je me souvenais pas de ça. Vache. J'ai gagné. Leur bâtiment est à nous. Ouais. Nous sommes victorieux. Tu m'étonnes. Puis vous êtes toujours plus nombreux. Oh là 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 là. Alors, Devastator, c'est moi, c'est le nom de mon ordi. J'ai fait 2 fois plus d'unités que... Voilà. J'ai fait 33 bâtiments, ils ont fait que 8. Non, la prochaine IA, elle est moyenne, parce que c'est complètement... c'est trop facile. Mais c'est bien pour une mise en jambe, une mettre le pied à l'étrier, c'est excellent. J'ai quand même perdu 2 bâtiments. J'ai quand même perdu... Oh, le fric, plus de 100 000 $. Oh, sauver la rediff. Oui, c'est une bonne idée, tiens. C'est une bonne idée. Je sais pas comment je vais l'appeler. Chine contre USA faible.
Enfin, USA facile, ouais, parce que faible, ça parle mal. Voilà. Le nom de la carte, je sais même pas c'était quoi, Final Crusader. Oui, oh, ils le disent, j'ai pas besoin de... Ah, je vais peut-être mettre la date. Je sais pas s'il y a la date dans le truc. On est le 24-02-2023. Et ben, vous savez quoi? Les ralentis là, je vous les déposerai dans mon Discord. Vous pourrez les télécharger, c'est là où le jeu est top. Vous pourrez télécharger mes ralentis, ça fait quelques kilo-octets, et vous pourrez rejouer ce que j'ai fait comme partie. Ce jeu est un bijou, c'est la perfection. C'est la perfection, je suis trop content de retrouver ce jeu. Allez, on va se faire un deuxième scénario, je vais incarner les Américains. Alors attends, je vais changer la carte. Trop bizarre. Je vais Devastator, je vais être en Sion, je vais être les USA. Je vais jouer contre les terroristes, les vilains, là, etc. Ils vont être en... Tiens, je vais les mettre en violet. Je vais m'amuser à changer un peu les couleurs. Par contre, je vais mettre IA moyenne. Alors... Théâtre des opérations, je me pose où et eux vont où? Ils sont proches, les... Stratégiquement, je vais me mettre là parce qu'il y en a un qui est proche que je pourrais défendre ardemment. Et là, la montagne, on va voir, c'est peut-être en extra. Allez, je prends le risque de la jouer comme ça. Attends, je me mets en bleu-bleu, moi. Le GLA en violet, ouais, c'est original. Ouais, c'est original. Yeah. Ah, ça me plaît. Vous avez pas idée comme ça me plaît. Un nouveau chantier ? Eh, hey, j'ai même pas fait les promotions avec les Chinois. Je suis en train de me dire, mais... M'en occupe. Ça a été tellement n'importe quoi que... Attends, je vais définir la route comme point de sortie. Au niveau des bulldozers. C'est quoi les promotions? Ah ouais, du côté américain, c'est pas mal non plus. Ah oui, les parachutistes! Ah, j'aimais bien parachuter des rangers. Ça foutait un merdier chez l'ennemi. J'adorais ça. Un boulot pour moi? Ouais. Alors attends, la caserne. Pourquoi je peux pas la mettre là? Pas possible. Bah, je suis trop loin. J'ai trouvé un autre endroit. Ah bon? Je suis trop loin du... bizarre. Je creuse les fondations. Alors là, j'ai mon truc muche de pognon. Et c'est quoi les deux autres? C'est des Derrick, mais ils sont où? C'était une montagne normalement. Bah. Non, c'est ça? Mais non! C'est les Derrick ennemis, ça! Bah. J'ai mal lu la carte ou. Bon, j'ai dû mal lire la carte. Il faut que je désigne un bulldozer en étant numéro 0 parce que en cas de galère, il faut que je puisse l'avoir sous la main rapidement. Dépôt de ravitaillement. Ouais. Ouf, avec les Chinook, ouais. Ouais, bah je vais le mettre là, puis je mettrai des défenses anti-aériennes juste à côté. Alors, vous, les loustiques, point de ralliement au niveau des champs. Allez, c'est pas mal. Ça me plaît bien. On verra. Mmh.
votre mission, chef. Du boulot made in USA. Là-bas, là, made in USA. On construit ? Ah oui, on construit. On construit, on construit, Zach Gogo. Alors, je peux en commander. Ouais, dès que j'ai 1200$, je recommande un Chinook, histoire d'avoir un. Que ça tourne vite. Que je sois pas en manque de thunes, là, parce que c'est déjà le cas. Alors, attendez, les gars, vous allez prendre possession du village. Les commandos arrivent. Toujours prêts. On entre dans le bâtiment. Ouais. Eh, pas mal. On va casser du char. À vos ordres. Entrons là-dedans. Oh. Je serais tenté de me faire. Non, le 0 il va rester en appui. Lui, le non claque, je vais mettre un. Je vais mettre une défense anti-aérienne là pour défendre les soldats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut que tu restes là, mon gars. Ah, j'ai peut-être commis déjà une première erreur. Je suis coincé par le financement. Allô, l'ONU, balancez-moi du fric. Mais je crois qu'il y a l'ONU. J'ai un vague souvenir. Je vois des véhicules de l'ONU qui ont été modélisés dans le jeu. Je sais plus quelle mission dans la carrière. Allez, un Chinook, un Chinook. Ouais. D'ailleurs, c'est con, je vais définir le point de largage des Chinook là, voilà. Au moins c'est fait, c'est logique. Alors attends, un Burton comme dans tactique. Ah, il capture pas les bâtiments. Ah merde. Je vais pointer. Alors, complexe véhicule 2000, aérodrome 1000. Je vais commencer par l'aérodrome à 1000 parce que la défense aérienne, elle est primordiale. D'ailleurs, je pense que la base aérienne, je la ferai à côté des champs. Oh, il y a des voitures. Eh, c'est bête, mais rien que de voir ça, j'ai envie de recréer des cartes. Parce qu'il y avait des trucs à faire, c'était... Ah là 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 là. Il y avait des scénarios, c'était magique. Là 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 là. Ouais. Et bing, les caisses dans la gueule. Je dis d'un. Bon, ça, c'est pas mal. Allez, hop, un troisième. Et puis, je pense que la rotation en pognon sera pas mal. Alors, je vais peut-être me faire l'aérodrome là-bas. Je vais anticiper. J'envoie le bulldozer sur place. Et après construction de l'aérodrome. Voilà. Alors l'aérodrome, je vais te le faire comme ça. Enfin, si j'y arrive. Impossible. Bah. Je vais pas. Ah ouais, mais là je bouffe le champ des villageois, c'est dégueulasse. Sérieux ?
Non, je peux pas. Waouh, ça va chercher loin. Bon bah je vais le mettre là-bas finalement, tant pis. Au moins il sera vraiment à l'angle de la carte. Je risque de... Oh oh. Oh oh, la cavalcade arrive. Ils ont déjà des blindés. Non. Le zéro, viens réparer le bâtiment civil. Allez le bulldozer, mange-toi les fesses. Allez, zou. Eh, hey, pas mal. J'ai bien fait de m'emparer de ce bâtiment. J'ai mon lance-missile sur moi. Ouais. On peut tirer par les fenêtres. Il faut. J'ai mon lance-missile sur moi. Je veux faire sauter quelque chose. À couvert là-dedans. T'inquiète pas, tu vas faire sauter plein de trucs, t'as pas idée. Parce qu'il est vachement bien placé. Ils arrivent en aval, ils sont démontés par mes soins, c'est un régal. Je peux en tirer un. Entrons dans ce bâtiment. J'ai mon lance-missile. Je peux tirer partout. On peut tirer par les fenêtres. J'ai mon lance-missile. C'est terminé. Sur moi. Je veux faire sauter quelque chose. On aura une jolie vue. C'est quoi le panneau? J'ai même pas cherché à lire le panneau. Je suis sûr qu'il y a un truc dessus. Alors il y a un stop et c'est écrit en... C'est de l'arabe? Quelqu'un peut me dire ce que c'est? Ou de l'hébreu? Oh mon dieu! Le gars il fait peur. Il arrive à passer le salopard. Wow! Wow! Notre mission, je joue en prêt. Oh, il y a du boulot là. Ouais, il y a du boulot, ouais. Je vais faire un hélicoptère. Et c'est déjà pas mal. Pour protéger mes fesses. On construit? Je trace ma route. Besoin d'un coup de main? On entre dans le bâtiment. Les commandos arrivent. Bâtiment occupé. Alors, mon hélicoptère de mes deux. Ouais, des raptors, ça suffira. Allez, je vais mettre un pour l'hélicoptère. Alors, l'hélicoptère, tu vas défendre ma base. Ouais, comme ça. Très bien. C'est quoi ça? Lancer roquette. Tire une salve de roquette sur les zones cibles. Ah. Là, 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 là. Oh, l'énergie, c'est déjà juste. L'énergie, c'est déjà juste. Allez, deux avions de chasse, allez-y. Faites-moi ça. Faites-moi ça. On va faire un peu de voltige. Réacteur, il faut 800. Là, j'aurais pas assez, je crois. Mais attends, la pérennité de... Pourquoi j'ai pas de Derrick, moi? Faut que je m'empare d'un Derrick pour avoir du fric illimité. Bon, ah, c'est là-bas. Oh! Et bah, finalement, je suis peut-être pas si bien placé que ça. Merde, j'avais une idée, je l'ai zappé. Je sais plus ce que je voulais faire. Ah oui, il fallait que je construise une supplémentaire. Une centrale. Allez, go. Alors, les avions de chasse.
attendant, les avions de chasse. Allez, se faire cuire un œuf. Allez, ce sera mon attaque. 9. On retient comme ça. Eh, c'est beau! La vache! Le théâtre d'opération, il y a des civils. Oh. J'ai fini. Wow. Il y a un truc à jouer avec les milices et les soldats. Il y a vraiment un truc à jouer. Ouais. Impossible. Sortez l'échafaudage. La 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 la. Ouais, hein, bon, il couvre, c'est bien quoi. Ouais, comment mon tactique, promotion. Qu'est-ce que je fais? Je me fais encore 2-3. C'est fini. Oh, je sais pas trop comment faire. Ouais, qu'ils apprennent déjà à prendre un bâtiment. Oh oh! Général, on attaque notre base! Qu'ils aillent se faire cuire un œuf! Attaquez vite! Oulala, 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 oulala! Vite, les avions de chasse, vous faites quoi? Mais vite! Mais maniez-vous le cul! Je suis en train de me faire exploser là! Oh non! J'ai perdu ma défense! Ah, puis j'ai perdu mon bulldozer. Oh là, ça, je commence à prendre une correction là. Là, c'est déjà beaucoup plus tendu. Oh bah merde alors! Amélioration terminée. D'ailleurs, il serait bon que je me fasse un engin de chantier de secours. Bon les gars, c'est pas perdu, vous allez dans la baraque. Vous aurez droit à votre médaille plus tard. Je vais mettre le bulldozer là-bas. Histoire de garder la main si je me fais prendre une... Général, vous avez été promu. Oui, bah les promotions, on verra après. Hop, toi t'es un zéro. C'est parti. On est d'accord, j'ai trois Chinook, hein. Ouais. J'allais dire, ils fusionnent entre eux, là, tellement qu'ils sont... Oh, mes avions de chasse qui ont rien foutu. Il me faudrait un... Attends. Oh, ils ont pas d'avion, les terroristes. Ils ont pas d'avion. Ah, ils arrivent par là, les salauds. Attends, il a fini, oui. Il me faudrait... Ouais. Unité perdue. Où ça? Ah, les salauds! Ils m'ont foutu du poison. Donc les hommes sont morts. Et le bâtiment est resté intact. Oh, les salopards! Je vais au boulot. Ah, c'est horrible! C'est horrible. Du boulot m'a diminué ça. J'écoute. Ouais, je suis tombé du lit, ouais. Bonjour, tu une scène. Ouais, j'ai démarré à 7h, je crois. Je crois que j'ai envoyé le signal à 7h. Je suis réveillé depuis 6h du matin. Bah, j'ai eu un gros coup de fatigue hier soir, et puis si tu veux, je voulais faire dodo plutôt que d'habitude.
Et puis voilà, quoi, j'ai fait mes 7 heures de sommeil, je suis là. Pop, pop, pop. J'espère que tu vas bien, Tunsen. Oui, 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 j'ai posé aujourd'hui, repos. Je vais faire Mumuse quasiment toute la journée. Je ferai relais à Christella cet après-midi. Moi, je pense que quand Christella aura repris son, enfin, pris son antenne, j'aurai cédé mon antenne. Je vais jongler entre Minecraft et le fait d'essayer de préparer ma config 2 ordi. Et je ferai peut-être le test demain matin. J'ai du boulot. Ah, je peux le demander à ce qu'il se fasse réparer. C'est bien, c'est logique. C'est logique. Oh la vache, les salopards. Moi, je vais faire pas mal de soldats. Les promotions vont peut-être m'aider. Grade 2. Oh, c'est surtout grade 3 que ça va être pratique. Ouais, les drones. Ouais, mais pour le moment, j'ai même pas le temps d'espionner mon ennemi puisque j'ai pas fini de faire ma base. Notre mission, chef. On construit. Ouais. M'en occupe. Je vais mettre une défense anti-aérienne là. Mon autre coin de pognon est là-bas. C'est loin quand même. J'ai mon lance-missile sur moi. Hein? Ah! Je me dis, mais qu'est-ce que j'entends? Pff, c'est mon répondeur. J'étais en train de flipper. J'ai dit, tiens, il y a un véhicule qui passe pour faire de la pub façon. Comment ça s'appelle? Façon. Il n'y a plus ça, les bagnoles qui passaient pour annoncer. Il y a le cirque Pinder, le cirque Alet Grus, le site machin chose, le week-end en ville. J'ai connu ça quand j'étais plus jeune. C'est vrai que ça a disparu comme habitude. Bah, le programme, là, je pense que jusqu'à 10h, je vais faire du Command & Conquer. De 10 à 12 environ, je vais faire du Operation Body Count. Et puis l'après-midi, je me vois faire du Minecraft. En gros, le programme, c'est ça. Alors, attends voir. Un petit chantier de construction. Ouais. Attends des voiles. Ouais, là-bas, j'ai pas de défense et c'est pas très malin. Attends, je vais mettre une défense là. C'est surtout sur les routes des plages avec les jeux, avec Vachette et Guignol. Ouais. Alors, les gars vont pouvoir réinvestir le bâtiment. Bâtiment occupé. Ah, ils étaient vachement bien placés. Ouais, refais-moi des rangers. Tant que ma base est pas comme je souhaite, j'attaquerai pas l'ennemi. Je fais toujours en deux temps, alors qu'il y a pas mal de joueurs, je crois qu'ils font, ils confondent. Ils arrivent à tout mener de front simultanément, mais je sais pas comment ils font. Ouais, j'ai un bulldozer. Je pourrais mettre un bulldozer là. Notre mission, dagadi digadon. Ouais, on construit. Putain, j'ai pas tant de pognon que ça. J'ai mon lance-missile sur moi. Oh, le pont aérien, il me faut le commandement tactique d'abord. Qui coûte une blinde, forcément, sinon c'est pas drôle. Unité perdue. Où ça? Où ça que j'ai perdu une unité? Ah ouais, ils ont niqué mes avions de chasse. Wow! Oh les salopards! J'ai perdu deux chasseurs. Oh, ça coûte cher. Oh la misère. Les commandos arrivent. Hop là. On entre dans le bâtiment.
Faudrait que je me construise déjà des ponts aériens parce que je vais être vite à sec. Il reste combien là? Pouah, 3 000 $, ça va pas loin. Oh là là, le pont aérien coûte 2 500 forcément parce que c'est super pratique le pont aérien. On va faire un peu de voltige. Oh là 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 là. Combien pour avoir un deuxième avion de chasse? Ah bah, voilà. Je suis ruiné. Parce qu'il me faut quand même un appui aérien. Les salopards. Bien joué. Il faudra que je défende la zone là avec les avions de chasse. Je sens que mes chinooks vont se faire allumer quand je vais aller de l'autre côté. Le fret aérien va être apparent. A plus tard, Tunsen. Bonne journée à toi. Je vois bien Funfan dans une voiture en criant « Venez essayer Grun ce soir à la place du marché, petit et grand. » J'imagine la scène. Ah oui. Ah non, oh mon dieu. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Bon, mes avions de chasse. Prêt à voler. Aspergurin 9. Protection aérienne. Ouais. Ouais, bah ouais, il me faut ça aussi. Hop là. On s'occupe du secteur. Ouais. Un nouveau chantier ? Pa 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 la, pa pa la, pa pa pa. Et passé minuit, vous aurez le droit à Duke Nukem 3D et Doom 93. Ouais, c'est ça. Avec Funfan, ouais. Alors attends, c'est la guerre. Oh, ils ont gazé mes hommes! Les monstres! Ils ont gazé mes hommes, les salopards. Je peux tirer partout. Entrons dans ce bâtiment. À vos ordres. Entrons là-dedans. Ouais. Tiens, je vais les faire suer. D'ailleurs, ouais. Qu'il aille réparer le... Parce que c'est toujours ça de prix. Ah, je suis bientôt promu 3 étoiles, c'est intéressant. Groupement tactique, c'est toi qui vas le faire. Alors, c'est un bâtiment important, il faut que j'essaie de le mettre à l'arrière. Ouais. Je vais le mettre comme ça. Les chinooks. Il y en aura pour tout le monde. Les chinooks, les chinooks. Je suis très fiable. Il y a intérêt à ce que vous soyez fiable, les gars. Hop là, vous allez là. Rotor à fond. Ah, rotor à fond, oui, bien sûr. Ils peuvent évacuer, ils peuvent dire parachutage de ranger. Ah ouais. Et utilisé dans les bâtiments de garnison pour tuer tous les soldats ennemis qui s'y trouvent. Yeah, trop fort. Voie de ravitaillement ouverte. C'est ça. On sait jamais. Allez, je vais leur donner le code 5. Oh la vache, il y a les Derrick là-bas. Mais à mon avis, si j'envoie un soldat, il va se faire dégommer. Je pense. Ah oui, ils peuvent prendre les bâtiments. C'est bien. Oh, il y a du boulot là-dessus. Ouais, alors cette déforestation, les arbres, ils vont... Votre mission, chef. Pop, 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 pi, para, 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 papou. Un boulot pour moi. Devil inside, devil inside, the chicken luckily wanna be inside, yeah, yeah. Whoa, 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 whoa. Et voilà, mes chinooks se font abattre.
Et merde. Délivrez ça. Barrez-vous. Je crois que j'en ai déjà perdu un en plus. Ah non, ça va, ils sont là. Ah merde. Allez là, allez là. Alors là, je suis dans la mouise. Je suis dans la mouise, qu'on se le dise. Parce que j'ai pas assez de fric pour faire un pont aérien. Comment je peux faire? Alors déjà, nouveau bâtiment. Alors j'ai quoi? Plan de bataille, bombardement, tenir la position, recherche et destruction. Vision et portée de l'armement, toutes les unités ont plus de 10%. Blindage composite, les cruiseurs gagnent 15%. Ouais, tenir position. Merde, comment je peux faire? Il y en a un qui avait pris du... Ouais. Oui, bah... Ouais, dépôt et puis fais-toi réparer. Qui va signer le bon? Non, lui, il est neuf. Lui, il est endommagé. Donc, il va aller se faire réparer. Ouais, il atterrit. Ouais, il se fait réparer. Nickel. Merde. Je suis en train de me faire allumer. Il y en aura pour tout le monde. Je serai à l'heure. Qui va signer le bon? Et j'ai perdu mon fric ou il a été... bizarre. Avant tout. Ah, attends. Théâtre des opérations, il se passe quoi? Putain, il y a eu des gazés là. Un nouveau chantier, c'est réparé. Oh, il y a du boulot là-dessus. Oh la vache. Réfléchissons. Toujours prêt. Alors, est-ce que lui, Discretos, il peut aller là-bas? On ouais, mais les Derricks vont se faire déboîter. L'ennemi va voir que j'ai pris position du Derrick. Il va m'allumer. Je pourrais jamais tenir la position, c'est pas possible. Ou alors je gagne suffisamment de pognon par miracle et je me fais un pont aérien et j'ai plus qu'à tenir. À serrer les fesses et... On va voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours prêt. Oh là là, je suis mort, laisse tomber. Unité perdue. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que l'unité est perdue. À vos ordres. J'ai leur position. Félicitations, général. Vous avez été promu. Bonne visibilité. Ouais, allez. J'espère que l'hélicoptère va pas se faire abattre. Oh, 1000. Coûte cher. Ça m'intéresse par contre. Ah, oh, je fais quoi? Parachutiste? Je vais les faire suer avec des parachutistes, allez. C'est juste énorme. Eh hey, si les parachutistes s'emparaient de... Faites-les atterrir sur l'autoroute, les gars. Ah oui, voilà. Ça peut être vachement intéressant. Attends, lui, il va être désigné comme le zéro, il va repasser devant. Unité perdue. Je vais réparer. Où ça? Ah merde.
Oh la vache, j'ai même pas le temps de dire. Construis n'importe où. Non, bah non. Mais non, mais arrête ta bêtise, toi. Je vais au boulot. Alors, les parachutistes, je les voyais pas aussi nombreux. On va changer le décor. Toujours prêt, je prends la suite. Attends, il m'en a largué combien? Ils sont 20, là. Je me mets en position. On va changer le décor. Oh la vache. Attends, barrez-vous là-bas, c'est trop drôle. Toujours prêt. On y va. Oh là, il y a la cavalcade qui arrive, gare. Unité perdue. Les commandos arrivent, bâtiment ennemi capturé, général. À vos ordres. Destination confirmée. L'élite de l'armée. On a pris leur bâtiment. On y va. Eh, hey, ça va me plaire, les parachutistes. Mais c'est un carnage. Oh, les pauvres, ils sont massacrés. Ah, ce qui veut dire que je peux construire mon pont aérien. Un boulot pour moi. Alors ça, c'est bon, ça. Ça, c'est cool. C'est un bon point. Oui, forcément. Ouais, il me bousille. Allez, encore 2500. Oh non, 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 ça va péter avant. Ah. Un dernier 200$, même pas. Ah, salopard. Il n'y a plus de Derrick. Eh ben, je fais pareil de l'autre côté, il n'y a plus de Derrick. C'est intéressant d'obliger l'ennemi à bousiller les Derrick. Mais les terroristes, ils peuvent avoir un bâtiment qui s'appelle... Mais tout le monde peut avoir du pognon. Tout le monde, en fait. Parce que les Chinois, c'est les pirates informatiques. Et les terroristes, c'est le marché noir. Donc, si tu gères bien ton coup, là je pérennise mon avenir ici. J'ai intérêt à défendre à mort mon truc. Eh ben, je regrette pas mon choix des parachutistes, dis donc. Parce que les autres options, c'est quoi? Je peux avoir 5 promotions maximum. Là, c'est une bombe aéro incendiaire. Ah, ça peut être pas mal, hein, comme choix. Et là, je me garderai les commandos. Parce que commandos, ils peuvent faire des trucs de fou. Camoufler lorsqu'il est immobile et qu'il tire pas. Repère les ennemis cachés. Des gommes, ouais, sniper le gars. Vulnérable face au reste, oui, d'accord, mais. Bref, le gars, c'est un sniper. Il coûte pas trop cher. Hein. Même le Burton à côté, il coûte 2,5 fois plus cher. Ouais, c'est un poseur de bombes, le Burton. Eh ben voilà, mon petit point aérien. Ouais. Mettez-moi des défenses à côté de ça. Allez, zou. Tant pis, le prochain pont aérien attendra un peu, mais ça va me faire de la thune. De toute façon, je vais capturer les Derrick à l'opposé, et puis je serai sauvé. Du coup, les Chinois qui me servent pas pour le moment. Mais je pourrais déposer des troupes plus tard. Ah, intéressant! Intéressant, la bataille là, franchement, elle est intéressante. Du coup, ça dure tellement dans la durée, je sais même pas si je vais faire les terroristes, la GLA, ce matin. On va voir, ou alors je déborderai un peu avec Operation Body Count. On va voir. Mais là, je pense que j'arrive vers mon plein de bascule où je passe de la défense à l'offensive.
Ah, c'est bon ça. Missile Patriot. Hein? Ah oui, le... D'accord, je vous dis de quoi il me parle. Un nouveau chantier? Alors, j'ai une offensive de l'ennemi ou pas? Ah, là, je peux réparer le truc. Ouais, j'ai gardé mon hélicoptère. Pas évident. Puis quand je parachutiste, je pense à Maxime Le Forestier, la fameuse chanson qui avait fait polémique et désordre l'année de sa sortie. Mais ça, c'était les années 80, je crois. D'ailleurs, il a un fiston, Maxime Le Forestier, qui également gratte la guitare, mais il a pas le succès, peut-être pas le talent, je peux pas juger, du papa. Parce qu'on n'entend quasiment pas parler, ou alors il veut pas qu'on parle de lui, et je comprends parfaitement. Bon, bah je vais ranger le bulldozer là, histoire qu'il s'expose pas au tir ennemi, parce que... Est-ce que vous voulez? Alors. Ah, dans 30 secondes. Il est parachutiste aussi avec le. Le largage! Le largage! On veut de la thune! Ah! Alors attends. Pareil, comme l'autre, sur l'autoroute. Nickel. Ah. Oh, c'est beau. Magnifique, deux escouades. À vos ordres. Je prends la suite. Besoin d'un coup de main? Toujours prêt. Prenons le bâtiment. Allez, vous prenez tous. On prend le relais. Pardon. C'est trop drôle. Allez, vous prenez tous les bâtiments en même temps. Wouh ! Dans la joie et la bonne humeur. L'élite de l'armée. On entre dans le bâtiment. Attends, ils vont se faire écraser. J'y vais. Destination confirmée. Bâtiment ennemi capturé, général. On y va. Le bâtiment est à nous. Yeah, vous êtes des chefs, les gars. Unité perdue. Commando arrive. Entrons là-dedans. Oh là 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 là, le bordel. Bon! Pendant qu'il y a un épouvantable massacre, je vais pouvoir construire un autre pont aérien. Attends, d'où il est sorti lui? Ah, c'est vrai qu'ils peuvent apparaître à n'importe quel endroit, les salopards. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai du boulot.
Ah, ils ont déjà pété un Derrick. Oh la vache, la puissance d'attaque, toi. Du coup, je annonce que je vais faire des prochains parachutistes. Puisque j'aurai réussi à neutraliser le... Oh, grande question. Ah, l'énergie, ça va être chaud à gérer. On attaque notre base. 4, ça bouffe... ouais, ça bouffe 4, un pont aérien. 28, le prochain, il faut que je construise un... Mais d'où ils tirent? J'entends des tirs, mais je les vois pas. Ah, ils sont entre les murs, les salauds. D'accord. Ils savent pas, ouais. Comment je peux faire? Faudrait que je me fasse un deuxième hélicoptère en fait. Faut que je me fasse un deuxième hélicoptère. Notre base est attaquée. Ouais, je vois ça. Ah, la thune de l'ONU. Merci les gars. Sympa. C'est 200$ la caisse, je crois. Yeah, c'est bon ça. Papa pala papa la papa papa la pipi des pots. Alors, mon hélicoptère. Fréquence ouverte. Ouais, vas-y voir pour Ouais, bah là. C'est pourquoi. Alors, on va y aller pour dire que je vais essayer de nécessaire. Éventuellement là, je vais vous demander de vous décaler un peu les gars. Voilà, ils se sont calmés. Alors. On construit ? Ouais, on construit. C'est parti. Je vais pointer. Lui, il va rester là en attendant. Notre missile patriote, on ne sait jamais. Allez, bon, vas-y. Donc, machin. Oh la vache! Je vais avoir le prochain largage, va être intéressant. Il y a d'autres trucs à faire. Blindage composite. Oh, oui, faudra que je regarde les blindages des drones. Ouais, je n'utilise pas de drone encore. Ça, c'est quoi? Technique d'entraînement. Les unités acquises, c'est une vétéran 2 fois plus vite. Ah, pas mal. Intéressant. C'est quoi les Crusader? C'est une unité char d'assaut. Ah oui, c'est le char d'assaut. Ouais, le char d'assaut est plus costaud. Je sais pas si, vu le terrain, qu'il y a des civils, je sais pas si je vais prendre un char d'assaut. Je vais peut-être faire vraiment l'américaine, je vais faire par le ciel. On va voir. C'est terminé. Du boulot made in USA. Yeah. Made in USA. Pa-pam, pa-da-pa-da-pam. J'ai plus de thune. La 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 la. Ah, ça. Ah, les parachutistes. Il y a d'autres
Faut que je gère les parachutistes. On est d'accord, il n'y a pas d'autre Derrick. Bonjour, Sun Heather. Je crois qu'il n'y a pas d'autre Derrick. No English, I'm guessing. Ah, I can speak little in English if you want. Hello and welcome. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est un casse-pipe, mais bon. Alors, pendant ce temps... Un boulot pour moi ? Heureux, cousin. Sortez l'échafaudage. Je vais pointer. Unité perdue. Merde, j'ai perdu... Ah bah oui, c'est les militaires qui se sont défoncés, je pense. Oh là là ! Ouais, mais ils sont combien, les gars ? Allez, détruisez leur marché noir, là, si vous pouvez. Enfin non, la cache ravitaillement, c'est pas un marché noir, c'est autre chose. Ouais, ils vont la réparer. Ouais, non, ils ont pas réussi. Oh, le carnage! Ah bah, l'autre avion qui arrive même pas, laisse tomber. Oh là 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 là. Alors, mauvais choix tactique. De toute façon, ils ont quasiment plus de fric, alors. Non, non, s'ils font un marché noir, il faut que je le bousille, parce qu'ils peuvent se générer, comme moi, du fric à volonté. Oh là, dur. Oh, les salopards. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah oui, l'intérêt, c'est... Moi, c'est de garder mes plateformes de largage, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. 75 dollars, je vais pas aller loin avec si peu de fric. Bonne idée. Attends, je vais distinguer un peu le bulldozer parce que je vois pas. Je vois pas. Voilà, alors énergie, j'en suis à 45 sur 35, ok. Enfin, 35 sur 45 plutôt. Je devrais lire comme ça. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. L'autre bulldozer, je vais le mettre là en attendant. Je suis condamné, c'est terrible, je suis condamné à attendre l'appui aérien parachutiste et d'avoir un largage de fric de l'ONU. Mais là, ça va devenir intéressant. Là, 3 points de largage, si j'arrive à en faire un quatrième plus loin, c'est... Je vais me retrouver peinard pépouze. Les parachutistes, où est-ce que je vais les mettre? Là, je pense qu'il y a des terroristes là, comme il y a un truc de pognon. Mais je vais le vérifier, je vais le vérifier. Ah, oh, je pourrais faire de l'espionnage avec des drones américains, mais... Là, on est au cœur de la bataille, là. C'est très intéressant. Si je veux déployer des... Ouais, là, je rends les drones plus... C'est où je déploie des drones? Ah, mais c'est la promotion, en fait. Ah. Ouais, je passe. Ah, je suis tenté entre le commando et le drone. Sûr, à la fin, il faut que je garde les bombes aéro-incendiaires. C'est une horreur, mais c'est très efficace. Qu'est-ce que je fais, drone ou commando?
Rappelle-moi voir, le commando, il fait quoi? Camoufler lorsqu'il est immobile ou tire pas, donc comme le lotus noir des chinois, et il repère les unités ennemies cachées. Il est efficace contre l'infanterie, donc les autres gugus, et il y a beaucoup de gugus chez les terroristes. Il est vulnérable face aux véhicules légers et aux éclaireurs. Ah, oh, c'est tentant. Hein. Mon ennemi serait la Chine, j'aurais tout de suite opté pour le drone. Mais là... Et Burton... Il est camouflé aussi, mais il peut tirer et surtout poser une bombe. Ah, poser des bombes, c'est intéressant aussi. Larguer des bombes. Un boulot pour moi ? Allez, un autre point de ravitaillement, mais bien plus... Ouais, là, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh, je peux avoir deux autres avions de chasse dans le dans la base. Je me fais deux Aurora. Parce que... Ouais, le chasseur furtif, le B-117, là... Il me faut une promotion que je veux pas utiliser. Mais l'Aurora peut être pas mal face aux terroristes. Il peut faire beaucoup de dégâts. Il coûte bonbon, mais... c'est intéressant. Ouais, non. Je sais pas. J'hésite entre commando et... Entre commando et... Et les drones. Je crois que je vais opter pour les commandos. J'ai un coup à tenter. Ouais. Ça, c'est une bataille de l'usure. Je vais m'installer dans la durée pour celle-ci. Ça va péter, mon général. Toujours la stratégie de la défense. Ouais, bah ça, du coup, j'en ai pas besoin. Par contre, technique d'entraînement, les unités acquises le statut de vétéran de voie plus vite, ça me plaît. Ça me plaît énormément. Allez. Oh, j'investis. Ouais, allez, j'investis. J'investis. Prochain parachutage. Ouais, ça va être sport. Oui, c'est bien, là, les avions, ils sont en territoire aérien. Ils vont pas se faire attaquer. Ça me ferait mal de voir les avions de l'ONU se faire exploser la tronche. Oh, les salopards! Ils sont nombreux. Il est sage, il est de Nancy, c'est le sage de Nancy. Bonjour Poupon, j'espère que tu vas bien, bisous. Eh ben écoute, je rajeunis parce que depuis que le jeu, depuis quelques jours, est en Abandonware et que c'est vachement bien fait. Moi j'avais la version boîte, mais elle n'était pas compatible, à moins de certains bidouillages que je connaissais pas. C'était pas compatible Windows 10. Et Abandonware.fr, ils ont fait un truc magnifique, ils ont fait un lanceur, il y a tout dedans, l'extension. Et là je redécouvre le jeu sans l'extension. J'y vais tout doucement, je fais un mode escarmouche pour redécouvrir les trois camps, et je m'éclate. Le jeu là, quand j'avais 20 ans, j'ai 20 ans encore une nouvelle fois aujourd'hui là parce que... Ah c'est cool, ouais, c'est vraiment cool, c'est ça. Fontaine de Jouvence là, ça me fait un bien fou. J'adore cette sensation de... Le plaisir de mes 20 ans retrouvés, c'est énorme. Et ce jeu, le pire c'est que je modélisais des cartes que j'ai pas gardées, je crois pas. Je crois que j'ai fait la bêtise de négliger ma sauvegarde ou de...
où en désinstallant le jeu, j'avais viré mes cartes, ce qui est débile. Parce que ça demande du temps de faire une belle carte. Et j'en avais fait 2-3 et j'adorais jouer dessus. Merde, les salopards, ils sont... Ouais. J'ai demandé des réparations de mes centrales. Oh, les salopards, ils ont pris l'option à apparaître n'importe quel endroit de la carte. Ah ah, ça me met la pression à ce niveau-là, c'est dingue. L'énergie... Ouais, 45-39. Allez, un petit... Hop, patriote... système de défense. Alors... Attends. Ah, j'ai demandé des parachutistes, mais l'avion est pas arrivé. En fait, l'avion s'est fait abattre avant. Ah merde! J'ai pas vu à quel endroit il est arrivé et où il s'est fait abattre. Ah! Donc mon assaut a merdé. Moi, ma Madeleine de Proust, c'est d'une. Ah! Question, Poupon, d'une. Est-ce que tu as fait... Alors, j'ai connu la version de base... Même sans son, à l'époque, j'avais la chance d'avoir son ordi quand il était sorti, ou quelques années. Mais j'ai redécouvert plus tard avec la Sound Blaster, enfin un équivalent avec le son magique. Le 1 ou le 2? Parce que c'est pas la même chose, le 1 et le 2. D'une, le premier qui est littéraire, ou le 2... De toute façon, dans les deux cas, j'ai des trucs à te dire. Alors le 1, il faut aller toujours sur Abandonware, ils font du bon boulot. Le 1, tu prends la version qui a été bidouillée avec talent. Ils ont repris les données du méga CD. Il y avait une méga CD qui avait des effets 3D à l'époque et les voix qu'il n'y a pas à la base dans le jeu PC. Et ils ont réussi à faire un schmilblick vachement bien. La version PC Mega CD d'Abandonware, elle est géniale. Pour Dune 1, elle est magnifique. Pour Dune 2, je sais pas si tu utilises un ordi sous Linux, Poupon. Il y a... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Dune 2 Legacy ou Dune 2... Dune 2000, je sais plus quoi. Le pire, c'est que je l'ai installé sur mon Linux, mais là, je suis sous Windows. Enfin, même sous Windows, ça doit passer, c'est libre, ça doit être multiplateforme. T'as un éditeur de niveau pour Dune 2, t'as ce qu'on pouvait pas faire à l'époque. Tu peux même jouer en... On pourrait y jouer entre nous. On peut y jouer maintenant en réseau. Et Dune 2, j'aimerais bien aussi vous le faire. Ça, tu vois, c'est un truc qu'on pourrait s'organiser, Poupon. Si un soir, on arrive à synchroniser quand tu publies 21h-23h... Je veux bien jouer contre toi ou avec toi, parce qu'on peut se battre à deux en coéquipier contre une ou plusieurs intelligences artificielles. Enfin, camp ennemi, tenu par l'ordi, et on peut se faire des soirées comme ça, si tu veux. Ça, si le cœur t'en dit, tu me contactes, Poupon. On se met ça en place. Ce sera avec grand plaisir. Ce genre de jeu, je suggérerais de le faire en été, parce que ça demande peu de puissance de calcul, donc l'ordi va pas trop chauffer. Il faudrait qu'on se fasse ça quand les ordis sont en sueur, en été. Ça me semble bien pensé. Et on se garde des jeux puissants en hiver, quand on peut les faire carburer, qu'on n'a pas de problème et de refroidissement, puis que ça nous fait un radiateur bonus. Moi, mon ordi, je sais que rien quand je l'allume sans le faire carburer à mort, je gagne 1 ou 2 degrés dans ma pièce. Et c'est bête, mais ça joue au niveau confort. On construit. À part ça, j'espère que tu vas bien. Pardon, je t'ai pas demandé, Poupon. Je suis déjà parti dans mon baragouinage habituel. Je suis limite au niveau de la tension, je suis limite. 3, ouais, je mets encore un patriote et je suis... Mais ils vont me bousiller, donc je vais pas le faire. Il faut au moins que j'ai une tolérance au fait que ça s'esquinter.
Ah oui, c'est mon hélicoptère qui défend. Alors, à voir ça, j'ai tellement de trucs en route entre les travaux, les jeux en retard, ma pause mois de janvier, mais plaisir sur principe. Bah, tu gardes ça en tête. Et le jour où t'as une envie, tu me contactes en MP, ou tu me provoques, enfin, tu me provoques, tu m'interpelles sur mes chats, là, mais tu sais comment me contacter, évidemment. Et je révise comment on fait, j'essaie de te préparer une solution clé en main, que t'aies plus qu'à cliquer sur un lien sûr et que tu puisses installer sur ton ordi et voilà. Tu sais que c'est possible. Et crois-moi, ça va être top. Parce que pour te donner un peu l'envie, t'es moustillé sur le sujet. Dune 2, par exemple, qui a été refait. Tu peux jouer les camps qu'on pouvait pas faire à l'époque. Les Sardaukar, les Freemen. Attends, les camps qu'on pouvait pas jouer et qu'ils ont programmé. Les Sardaukar, les Freemen et les Rebelles, là, je sais plus quoi. Donc ça fait 6 camps, en fait. En plus des Ordos, des Harkonnen et des Atreides. Bon, écoute, ça fait 2 nuits que je dors correctement, donc ça va mieux, merci. J'ai l'impression que tu as la pêche également. Oui, j'ai la pêche, à l'exception que j'ai pris un petit coup de froid cette semaine. Je sais pas comment j'ai fait mon schmilblick, donc je me mouche comme Bastos hier sur son antenne. Encore que là, ça s'est calmé, mais hier soir, j'étais pas frais. C'est pour ça que je suis couché plus tôt d'ailleurs et que je démarre aussitôt ma diffusion depuis 8h ou 7h du match, je sais plus. Enfin voilà quoi. Mais ouais, la pêche est bonne, merci. J'ai l'énergie, Poupon, ouais. C'est cool. Bon, revenons à l'assaut. C'est pas tout de bavarder, mais j'ai un assaut militaire à préparer moi. Alors, il va falloir que je grignote le territoire ennemi. Les salopards, ils sont installés dans le village. Oh, c'est des camions piégés, ça. Les avions de chasse, attaquez-les. Attaquez-les, ils sont dangereux. Oh, génial. Ouf, c'est des camions piégés, il aurait pas fallu que ça explose. Ouais, bien joué, les mecs. Ouais. D'ailleurs, je vais commander mes bombardiers Aurora. J'en veux 2. Voilà, comme j'ai 4 hangars à l'aérodrome. Non! Oh oh! Ouch! Il y en a un qui est passé, c'est pas bon. Vite! Ouh loulou, faut me réparer ça. Les parachutistes, je vais peut-être les mettre en sûreté. Allez, je vais me les mettre en sûreté. Je vais me les mettre là et je vais les mettre dans les bâtiments en face. Je vais améliorer ma défense. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les terroristes qui apparaissent avec la magie du démon. Ouais, les rebelles, ouais. C'est des civils qui épousent la cause ennemie. Et ils apparaissent à n'importe quel moment. Eh, hey, j'ai plusieurs trucs à réparer, là, ça va plus. Il est où mon deuxième bulldozer caché? Il est tellement bien caché que je l'ai perdu de vue après Jacques Pradel. Voilà, il est là. Ah bah tiens, il se répare de même, je sais pas comment. Mais pourquoi pas. Comment ça se fait que je peux me réparer de moi-même sans unité de réparation? C'est complètement pété. Là c'est presque triché. Confère, ah, la capacité d'espionner l'ennemi, le pénitencier. Ah. Ah, si je suis le canon à particules, mais il me faut beaucoup d'énergie, je les défonce. Si je faisais une base secondaire détachée, oui ou non? Oh, je sais pas. Attends. Ouais. Impossible. Ouais, c'est trop... C'est trop au bord de la carte, c'est pas... Ouais, ça se fait pas. Merde, j'ai perdu 10 unités. Oui, je sais, c'est la guerre, qu'est-ce qui se passe, au secours? Oh! C'est la merde! Je me disais, c'était trop calme depuis un moment. Félicitations, général. Vous avez été promu. J'ai été promu, ouais, mec. À quel prix? Merde, ah, puis j'ai perdu mon bulldozer. Tu vas me faire vite une défense anti-aérienne.
Les gars, vous allez dans le... Hop là. Oh bah c'est un coup de bol. J'ai demandé à mes parachutistes de se manifester au bon moment. Destination confirmée. Oui, attention, 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 attention. Wouah! Non, des scades, au secours! Alarme! Alarme! Les allos, ils m'attaquent! Alarme! Faites des bulldozers, je vais me faire couillonner là. Oh, puis les autres ils peuvent rien faire. Oh mon dieu, le sage veut me justifier. Non mais franchement c'est extra la version améliorée par les fans. Oh, ils se sont fait gazer, c'est dégueulasse. Bousillez moi les... Oh oh. Oh ce carnage. Allez dans le bâtiment là, ça va les faire suer les gars. Enfin, vous faites pas écraser non plus, mais... les avions de chasse, vous êtes où? Oh merde, ils sont pas en appui. Oh, les avions de chasse! Les avions de chasse, faut peut-être protéger la zone. Oula, je vais avoir du mal à m'en remettre. Oh, les salauds. Ah. Ah, je peux espionner les ennemis. C'est intéressant ça. Alors attends, quand je serai plus. Quand j'aurai défendu mes fesses. Oh les salopards, ils sont chez moi, ils s'amusent là. Non, mon point aérien, salopard. Ah merde, bah j'en ai plus. Oh, ils m'ont bousillé tous mes. Salopards. De l'importance d'avoir en réserve. Mais pourquoi je peux pas... C'est parce qu'il a été gazé ou... Pourquoi je peux pas réparer? Ah, les hommes à l'intérieur sont morts! Ah, je savais pas que ça marchait comme ça. Ah, les boules! Ah non, répare le pont aérien, ça coûte trop cher. Allez, au boulot. Wouah, les salopards. Je creuse les fondations. Un boulot pour moi. Attends, je vais l'appeler zéro et je vais le cacher. Parce que il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, comme on dit. Ouais. Wouah, wouah, wouah. Là, j'ai morflé. Bon, eux, ils défendent le secteur, c'est bien. Ah, la vache. Du coup, j'ai plus personne dans les huttes. Oh, même dans le village, ils ont été gazés, je m'en suis pas rendu compte. Les salopards. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, les monstres. Je vais au boulot. Attends, je peux faire un soldat qui reprend le contrôle du bulldozer ou pas? Ou j'ai perdu mon unité pour de bon? Oh là 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 là. Mission, chef. Boulot pour moi. Bien sûr. Vache. Alors attends, moi je voulais me faire un... Je sais plus ce que je voulais me faire. Ah oui, je voulais me faire un centre de commandement tactique. Pas évident. Ah ouais, c'est le bordel, c'est la guerre. C'est pas évident du tout. Oh. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une base détachée pour troubler l'ennemi ou pas? Les parachutistes vont être de retour. Ah, j'ai un avion de chasse qui est pas promu et l'autre qui a quasiment 3 étoiles. Le gars, il a eu une expérience de fou furieux. Alors attends, mon soldat, il peut prendre le contrôle de... Ouais, du bulldozer. Allez. Je récupère un bulldozer. Ah, je me souvenais pas de ça non plus. Il est subtil, il est bien le... Ambulance, oui, il me faudrait une ambulance. Contre les radiations et les toxines, ouais. Le point de ralliement, il est où? Ah, je l'ai jamais défini. Ah, c'est un peu con. Allez là. Voilà. Quand vous êtes fabricate.
Ouais, les soldats, c'est par là-bas, donc c'est bien. Ouais, les hélicoptères, c'est là. Au début, ouais, ouais c'était bien. Oui, j'ai besoin de soins. T'as gardé de soins de soins. On va l'appeler la saucisse. Code 6. Code 6 contre les radiations. Je te mets à l'arrière. En deuxième ligne. En appui. Alors, réfléchissons, mais réfléchissons bien. Les militaires, je vais leur dire de débarquer à l'arrière pour pas les perdre. Ah, j'ai une drone promotion aussi. Le commando, peut-être. Ouais. Commando, ça me plaît beaucoup. Je vais me faire un commando et voir ce que je peux faire avec. Non, il n'y a pas de camion à pizza, non. Non, ce qui est horrible, par contre, avec les terroristes, il y a des camions piégés et je me suis fait avoir. Même les terroristes peuvent prendre les véhicules civils, là, et les faire péter, faire des voitures piégées. Oh, je prends le risque de les débarquer où, les parachutistes? Oh, il est trop bien en tenue de commando, le mec. Oh, j'ai peur pour les parachutistes, je vais les faire débarquer là. Ouais, voilà. Au moins, ils risquent pas grand-chose. Je vais les faire passer petit à petit. Prenez le bâtiment. Les commandos arrivent. Essayez de tenir la position, les mecs. Toujours prêt. Prenez le bâtiment. Et hop, l'autre groupe va aller là-bas. On entre dans le bâtiment. Ah, attends, dans l'eau, il y en a un qui est en trop. Et hop, on là-dedans. Eh, pas évident. Ah, mes Aurora. Je vais pouvoir mener l'offensive. Les Aurora, je vais adorer. Code 8 pour l'infini. Et l'au-delà. Faisons un test. Sauf que j'ai pas de cible. Merde. J'ai pas de cible. Merde, il faut que j'aille découvrir le terrain ennemi d'abord. J'ai pas l'air con. Popalin. J'ai pas l'air idiot. Attends, c'est mon centre tactique, je crois, pour avoir... Ah non, c'est ça. C'est ça. Oui, je sais pas, dis-moi. Est-ce que... Oui, bah là, apparemment, il y a du... Il y a... Oh! Oh, intéressant d'attaquer... Je pousse mes réacteurs. Ouais. Je vole plus vite que le son. Alors là, je me demande ce que ça va donner avec les bombardiers au roi. Ah, il y a une unité attaquée. Cible confirmée. Riche bam. Oh, joli. Joli, ils ont à peine été entamés. Ouh, ils vont... Je pense que les Aurora vont mener presque à eux seuls l'offensive. Ouah, sur 3 véhicules, il en a perdu 2. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Alors, les parachutistes ont pris possession des bâtiments civils et j'ai un commando. Le commando 4. Je vais jamais retenir tous les codes. Alors, code 4, tu vas te barrer. Ils ne me verront déjà pas. Là-bas. Normalement. Il est trop bien camouflé, lui. Il est trop stylé. Regardez-moi ça. Un buisson qui se déplace. Trop bien. J'adore. On entend le coq. Bon. Les parachutistes, c'est après. Alors, je commence à me sentir mieux, là. Parce que c'est la guerre. Oh, déjà, je vais pouvoir les réespionner d'entrée de jeu. Trop bien.
Trop bien, trop bien, trop bien. Allez. Oh, j'ai cliqué là où il fallait. Oh merde, il y a une offensive qui se... Vite. Non, pas les avions de chasse, les bombardiers. Les bombardiers, zigouillez-moi celui-là. Mes bombes sont larguées. Ouais. Ouh, là ça devient... Ça devient punchy, là, ça devient... Ouh, par contre les civils, va y avoir des dégâts collatéraux. Les belles baraques, elles vont morfler. Ouais, joli. Oh la vache. L'ennemi a pas mal d'unités. Ah, un plus, ce serait d'avoir l'info en audio, dire les bombardiers sont réparés et ravitaillés. Oh, j'ai un bombardier qui a failli se crasher. Il a morflé, il ne reste plus qu'un point de vie. Oh, j'ai du bol de le garder parce que à 2500 le bombardier, ça coûte bonbon. Je pousse mes réacteurs. Avionique activée. Les radars oh la ne vache. Verront rien. Je vais prendre le risque d'en faire décoller qu'un seul, non? Non, peut-être pas. Non, parce que là, je vois plus ma cible. Waouh, waouh, waouh. Je vais peut-être me faire quelques unités efficaces contre les véhicules et les bâtiments. Ah, moyen de transport, ouais, ça peut être bien, le movie. Tomahawk, efficace contre les défenses terrestres. Mmh. On peut faire deux petits tomahawks. Et je vais faire quelques crusaders pour défendre ma base. A plus. Ouais, ouais, tu vas bosser et faire tes travaux d'aménagement. Bon courage, Poupon, bonne journée. Oui, merci, bisous. Et bonne guerre, ouais, ouais, ouais. Et ben après, je vais faire les terroristes, la partie suivante. Je vais m'amuser à être dans le camp du GLA, puisque j'ai fait la Chine tout à l'heure. Pa-pa-pa-la-pa-pa-pa. Ou encore que, je sais... Ouais, je sais pas. Je ferai peut-être la Chine un autre jour. J'ai envie de jouer aussi à mon truc 3D, là. Pa-pa-pa-pa-pa. Ouais, je ferai peut-être la Chine un autre jour. Parce que sinon, je vais faire toute la matinée sur Command & Conquer. J'ai envie de varier les goûts et les plaisirs. Je creuse les fondations. Je vais pointer. Ils sont calmés, les terroristes, la vache. Oh, les salopards. J'ai de la place pour 5. C'est parti. Super. Les salopards. Je vais réparer. Un boulot pour moi. Il y a du grabuge. Attends, ils sont où mes avions de chasse? Ah, ils ont pas repris. Ah bah si, 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 ils ont fait le boulot, mais en fait, ils ont plus d'armes. D'accord. On attaque notre base. Ouais, vas-y, Laurent, bousille-le, parce que... Oh là là, il faut que je mette mon unité de soins. Oh, ils ont un drone de... Ah, oh, c'est pas mal, ça. Des contaminations. Un petit chantier de construction. Papa, papa, la papa. Division blindée américaine. Ouais, l'Aurore a fait le job. Équipe médicale. Voilà, pour le coup, il n'y a plus rien à faire. Donc attends, je vais mettre le véhicule là. Protéger. Ouais, c'est comme passé. Ça. Oh, je m'offre le luxe de me faire un deuxième hélicoptère. Un autre commanche, allez. Voilà, ça, j'ai de la thune, donc... Mes avions sont là. Attends, ils sont où? Je vole plus vite que le son. Ah, les autres défendent, c'est ça. Hein. On est d'accord.
Ouais, ils sont là, ils défendent. Bon, bah, c'est bien. Oh, j'ai les parachutistes aussi qui peuvent venir. Alors, attendez. On va faire les choses intelligemment. Espionnage, d'abord. Avion supersonique. Oh la vache, les salopards. Hélico au rapport. Unité perdue. Ah, il y a eu du grabuge là-bas. Je suis très discret. Je sors de l'eau. Ah, il faudra le buter, lui. Hop là. Ouais. Est-ce qu'il peut Unité protéger perdue. La zone là? Je Ça suis serait en bien. On va essayer. Je vais me faire un deuxième commando parce que j'aime bien. Et puis j'ai misé sur cette stratégie alors. Alors attends. Non, reste là toi. Oula, qu'est-ce que je fais comme choix? Blindé lourd prêt au combat. Ah oui, ils peuvent avoir des. Blindé lourd prêt au combat. Une démonstration de force? Toujours prêt. Blindé lourd prêt au combat. Ouais, défendez les zones, les gars. Là où vous voudrez, mon général, aux ordres. Je déblaye le terrain. Vous aidez au rapport. Et l'autre, ça va être là-bas. Faisons route vers la cible. J'avais pas commandé des Tomahawks. Ah, je les ai perdus, mais ils ont explosé, les salopards. Ah, mais c'était... Non, attends, je sais plus. Enfin, bref. Eux, c'est des commandos. Toujours prêt. Ils peuvent retourner là. Oh, le bordel. Blindé de combat au rapport. Ah, j'ai un deuxième commanche, c'est vrai. À vos ordres. Il faudrait défendre et non pas descendre la zone là. Oh, les drones, je m'en fous un peu. L'un des lourds prêt au combat. Oh merde, pourquoi j'ai changé la position des... Ah oui, qu'ils aillent dans le... Ici, éclaireur. L'éclaireur, il va aller là-bas. Ouais. L'éclaireur, il va aller près d'un pont. Ils ne me verront pas. Juste, ouais, pour voir ce qui se passe. J'aurai une meilleure vue. Lance-missile prêt. Oh, je peux à nouveau espionner une zone. La défense, elle est bien. Et la défonce aussi. Il faut les deux, mon Yenéwal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, il y a du mouvement. Mes parachutistes se sont fait désinguer. Je les ai pas du tout gérés. C'est ma faute. C'est ma faute. Eux, je les bousillerai bien. Je vole plus vite que le son. Unité perdue. Où ça? Oh yeah. Attention, les bombardiers sont allumés. Merde, j'en ai perdu un. J'en ai perdu un. Et merde. Et j'ai failli perdre le deuxième. Unité perdue. Ah. Non, pas lui quand même.
Ah les boules. Ah les boules. Il faut pas que j'aille trop dans le... Faut que je les grignote. Non, la bataille va durer plus longtemps que je ne pensais. Ah les boules. Missile en déplacement. Guidage missile pareil. Missile en déplacement. Ah merde, oui, j'ai perdu mon... Oh là là, ils m'ont déjà bousillé, les salauds. Non, le point de ralliement, il va être là-bas pour les unités terrestres, parce que ils vont me coûter trop cher sinon, les salopards. Voilà. À chaque fois, il me bousille, mais... Ah ! Bombardier rapide, prêt à décoller. Ah, c'est plus serré que je ne pensais. Aurora en vol. Alors, les Aurora. Merde, non, c'est contrôle... Ah, je me suis trompé. Contrôle 9. Ah bah, j'ai perdu pour les avions de chasse, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Encore que si, je peux les mettre comme ça et puis dire que c'est 9, eux. On attaque notre base. Ah oui, effectivement. Ouais, ça va, ils sont... D'ailleurs, je vais inviter le... à se faire réparer. Et lui, il va aller là. Hop, on alterne. Est-ce que je peux donner un code au bâtiment principal? J'ai le droit ou pas? Ici Comanche. Oui, mais c'est un Comanche en 1. Je m'en fous un peu maintenant. Ouais, je peux dire un... Ouais, ça va m'aider. Que je sache au moins interpeller le radar. Attends voir. Il y a des loustiques là. Je largue mes bombes. Ouais, là j'ai envie de dire tu peux. Besoin d'aide ? Je sers notre pays. J'aime bien les répliques, j'adore. Merde, loupé. Oh la vache, les deux mondes ont servi à rien du tout. Merde. Par contre, je les ai provoqués. Je vais avoir de la visite, là. Ah, j'ai enfin... J'en ai enfin un qui est... Coordonnées reçues. Je vais pointer. Bien sûr. La 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 la, c'est le bordel, je sais pas trop comment mener mon assaut. Et là j'ai plein de petits commandos. Oh, le commando s'était fait abattre. J'essaie de le placer. Je serai votre œil. Alors lui, c'est mission suicide. Tu vas aller là-bas, si tu peux. Je pars en connaissance. Les parachutistes. J'ai même pas envie de les mettre dans le mal. Pop 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 pop
Ah, j'ai perdu une unité là-bas. Je sais pas laquelle. Non, le commando s'est fait quick. Déconne pas. Alors lui, il faut que je lui dise de garder la zone. Ils ne me verront pas. Ouais. Donc ça, dès qu'il y a un Gugus qui vient chercher du ravitaillement, balle dans la tête. C'est moche, mais c'est efficace. Alors. Oh là 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 là, ils défendent bien les saligots. J'ai vraiment peur que les civils dégustent, quoi. J'essaie de faire des frappes chirurgicales, mais c'est pas facile. Alors, attends. Aurora. Là, j'ai envie de dire, là, j'ai personne. Je passe au-dessus de la cible. Mes bombes sont larguées. Ouais, je le dégomme, lui. Ouais, pas mal. Aïe. Oh, j'ai perdu les deux bombardiers. Merde, il y a un parachutiste. J'ai de l'expérience. T'en auras plus bientôt. Mais va dans l'église. Oh putain, il est mort. C'est moi ou mon téléphone Non, c'est moi. Je suis peinard. Merde, le pilote qui est mort du bombardier. Oh les balles, les balles. Les balles. Et si je changeais, au lieu de bombardier, je fais des... Ouais, mais les raptors sont quasiment certains de se faire abattre. Ou des hélicoptères. Non, allez, je me fais deux raptors. Oh, je sais pas s'il te lira, Poupon, mais c'est gentil de lui écrire. Là, il est déjà reparti dans ses truelles, ses équerres. Son papier peint, je sais pas s'il fait du papier peint chez lui, Poupon, mais... Il réaménage ses combles. Guidage missile pareil. Blindé de combat au rapport. Ouais. On va s'occuper de vous. On va faire un peu de voltige. Vous avez au rapport. Tomahawk activé. Pom 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 pom. J'ai pas de code 7, c'était 8, ouais, non c'était 8, les bombardiers, bon là ça va être 8 aussi. Compris. Pas du tout, c'est pas... c'est pas ce que je voulais. Bah je vais les mettre là en attendant, mais au moins ils ont déjà décollé. Ah, ils sont concentrés là. Ben ça fait une bonne cible à battre. Là c'est la voltige. Unité perdue. Ah merde. Va te faire réparer toi. Ouais, il va aller là-bas. J'ai du boulot. Je suis paré. Ah, l'hélicoptère se fait réparer sur la... Ouais, c'est très bien. Très bien.
Oh, ça va encore. Alors, j'arrive à calmer un peu les terroristes là à venir m'attaquer. Ils commencent à s'essouffler. C'est bon signe, c'est que le bras de fer finit par tourner à mon avantage. Oh, je suis pas loin de la dernière promotion qui va faire mal. Parce que les bombes aéro-incendiaires, ça va être une joie. Oh la vache, ils sont chiants. Hein. L'indé de combat au rapport. Ouais, va te faire réparer. Je creuse les fondations. Da da di da 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 do. Va là-bas. Toujours cette prix. Il est où mon Thomas Wow qui s'est fait bousiller? Oh! Oh! Je vais en recommander deux. Mais il faut que je les place au bon endroit. Ah, j'en ai marre de perdre mes Tomahawk. Oh, je demanderais bien de faire réparer le bâtiment civil. Petit chantier de construction. Si peu. Je bricole ça. Les avions de chasse, eux, se rechargent. Alors, je dois avoir mes avions là-bas. Ou pas. Bah. Oh non, j'ai perdu mes avions de chasse. Oh, merde. C'est pour vrai. Oh, merdoum. Réfléchissons. Ou alors, est-ce que je peux faire péter les ponts? Parce que si je les empêche de venir, ce serait pas mal. Ouais, je sais pas, à voir. Attendez. Les parachutistes, ils vont atterrir là. Toujours prêt. D'ailleurs, il y en a un qui est pas allé. Bâtiment occupé. Ah merde. L'élite de l'armée. Bah va dans le sud. Oh merde, ils sont occupés aussi. Ah merde. On entre dans le bâtiment. Oui. Du coup, je les ai fait un peu loin les parachutistes. Arrête. Mais bon, pourquoi pas. Bâtiment occupé. Alors les voilà les chars. J'ai dire pourquoi je peux pas cliquer sur. Bon, défendre la zone. Mise à jour des coordonnées. L'un des lourds prêt au combat. Lui il a son. Hop là. On va faire un peu de voltige. Autant défendre la zone là. À vos ordres. Ouais, bah là où ils sont, c'est pas mal. Ouais, non, c'est bien. C'est bien. Je vais me faire un deuxième véhicule, on sait jamais. Une démonstration de force. Alors lui, il a réparé, nickel, c'est ce qu'il fallait. L'élite de l'armée. Eux, en attendant, ils vont aller là. C'est le bordel. Alors, j'ai des commandos aussi. Les commandos, ça se passe bien. Lui, ça se passe bien. Donc, j'en ai un qui s'est fait dégommer. D'accord. Et l'autre, j'avais dit la rivière, il s'est fait abattre aussi. Pourquoi, je sais pas. Pourquoi il s'est fait abattre, l'autre? Où est-ce qu'il va, lui? Le quasi-mort. Il y a des caisses dans le champ, d'accord, mais...
Vas-y voir que je fasse un autre commando. Je vois tout. Pourvu qu'il ne voit rien. Enfin, ouais, c'est-à-dire que je vais. Hop là. J'aurai une meilleure vue. Ils ont un champ large d'action, les commandos. Hein. C'est leur point fort, hein, en plus de la furtivité. Je suis en train de me dire, attendez, dans mes trucs, mais j'ai pas relancé le. Je me dis, j'entends pas mon carillon, mais c'est moi qui ai cassé ma zone de. Excusez-moi. Ah merde! Oh non, j'ai cassé la partie, je l'ai pas sauvegardée. Attendez, on va voir s'il y a un. Oh, quel abruti! Bah, si c'est ça, je vous referai, mais une autre fois, je vous referai le. Oh le con! Je vous referai la bataille avec les Américains un autre jour. Oh merde, je pensais pas qu'il allait crasher parce que j'allais quitter joyeusement le bazar. Oh quel abruti. Oh, c'est dommage, la bataille elle était intéressante. Chargé. Chargé, parti. Non, du 20, c'est moi qui m'étais exercé. Bah d'ailleurs je vais la supprimer parce que... Voilà, donc on va changer de jeu. Ah le con. Ah c'est dommage, elle était géniale la partie. Bien fait pour ma gueule. Et ben voilà, excusez-moi, c'est ma faute. Allez, on va passer...